réseau national des Pléiades Pétro-Caribéens, a remercié la presse en général, presse parlée et puis télévisée en ligne. Nous disons merci pour la présence ce matin. Objectif conférence, là, comme Metanel se dit, c'est les menaces de mort que nous recevons. Nous avons des délinquants voyous, c'est des sans-maman. Mais menace ça, c'est par la suite, ils ont menace verbale. Juge Ramoussik Aksime, tout le monde connaît, c'est toujours Jovenel Moïse lié. C'est lui-même qui était dans le dossier Petro-Caribe. Le 23 octobre 2020, c'est un vendredi, nous jouons Ramoussik dans parage. Parker. Il dit, c'est pas Maurice Noël. Il dit, mais il qu'on aime bien. Il dit, tu dois prendre un homme dans toute radio, dans toute télévision. Il dit, gardez, faire respect. Il y a un paquet de monde qui est là, dans la salle là. Il dit, si vous ne faites pas respect, la mal vous. À la vérité, il y a deux policiers ensemble avec lui. Les policiers pas dit ni A, ni B. C'est Ramoussik qui amuser pour faire des menaces. 8 jours après, menace à eux, nous avons un paquet d'individus qui ont pris les sur le téléphone, qui ont dit, oh, espère, faire un duel dans le dossier Petro-Caribe de ça. Je recevoir plusieurs cartouches. Mais c'est toujours appel anonyme, c'est toujours appel privé. Et bien, on l'a appelé, je me recevoir, je me dis, mais toi, nous avons un dossier pour ta faire point, qui côtoyer. Je me dis, qui sera besoin, qui doit se régler. Je dis, non, c'est web pour me expliquer le dossier. Qui côté m'a donné? Est-ce que m'a donné dans la RNDDH? Je me fais mes téléphones là. Maintenant, je viens, ouais, je recevoir n'importe 5 appels anonymes qui font beaucoup de menaces. Et moi-même, je me suis contacté Maître André Michel, qui est avocat Brézoa, Maître Maisonneuve aussi, et je te dis que c'est la mon cité mon fou, pas occupé. Même dit, on est cap travail pour pouvoir, cap travail pour Michel Matéli, cap travail pour Wilson Lal, Jovenel Moïse non impliqué 69 fois dans le dossier de Togaribé, mais ça va pas mon fou. Et n'est-ce pas, après marcher dans une belle toute la journée, il a tiré n'importe quoi. Maintenant, je dénonce à toute dernière guerre. Je mets la responsabilité, la vie, la vie famille, sous Jovenel Moïse. Et on s'y vaccine, tout le monde connaît. C'est un tout le pouvoir. 2 ans passés, la boussique pas fait un, il n'a pas arrêté un monde dans le dossier Petro-Caribe. Quelle catastrophe! Et puis, quand on fait des mounes, on fait des menaces. Moi-même, je lance un appel à toute population, droits humains, pour que vous assumiez la responsabilité. C'est toi qui laissez aller, je viens de joindre, Ramoussik joindre. Ah, Ramoussik, mandat fini. Président CSPJ, président la Cour cassation, a fait tout ça qu'on connaît pour yo renouveler le mandat Ramoussik dans ce dossier Petro-Caribe. Et nous-mêmes, nous couchons quoi et nous dit tout voleur qui casse bois peuple haïtien qui volait 4,2 milliards de dollars il y a vomi combien. Elle dit que nous créons la vie ou la mort. Elle dit que si Jovenel Moïse n'a fait pays à toujours c'est grâce avec voleur international yo. Et nous même nous créons aujourd'hui nous ferme sous position nous et nous était quoi Jovenel Moïse wap tuer moun n'attend nous dans cafou tétin. Et je crois que l'air presque arrivé, j'ouvre, j'ouviens, on va payer ça. Merci beaucoup, M. Maurice Noël, coordonnateur général, réseau national des pléiades Petro-Caribe. Force N157, force des organisations pour la stabilité nationale. Force N157, force des organisations pour la stabilité nationale. Qui regroupe dans Saint-Louis, plus passé 157 organisations politiques avec organisations communautés de base. Tant que G57, organisation politique, mais contre,
Réseau national des plénières Petro-Caribé, SKL, CADO, Code 15 Haïti, Code 15 Canaran, Soleil Réveillé, Force Solino, Force Delma, Force Belay, Force Grandance, Force Grand Ravine, Force Canapé Vert, pour ne citer ça seulement. Nous venons expliquer tout le pays que les peuples haïtiens prennent un complot qui vient là-dedans trois Genèves. Premièrement, nous gagnons Genève Kogou, qui gagne 9 membres là-dedans. 6 ambassadeurs avec 3 représentants d'organisation. Donc, ambassadeurs d'Allemagne, Brésil, Canada, Espace, la France, États-Unis, avec organisation internationale. Donc, représentants ONU, représentants Union Européenne, avec représentants OIA. Nous dit tout pays là. Que Haïti pas membre pour groupe. Haïti c'est membre l'ONU, Haïti c'est membre CARICOM, Haïti c'est membre État américain OEA. Nous dit comme ça, 9 membres ça yo. Dans deuxième partie 9 membres là, c'est un 9 membres qui gagne Genève en famille et alliés. Qui gagne là-dedans 9 membres. Premièrement, la présidence, la primature, ministre intérieur, ministre défense là. Ministre justice là, ministre finance là, secrétaire d'État, sécurité publique là, direction générale police nationale là, avec président fédération des gangs assassins à kidnapper. Il y a un troisième Genève qui c'est Genève électoral, ça peuple a relevé comme créé là. Et bien finalité trois Genève ça yo, premièrement, quoi groupe, c'est pour forcer monde faire élection. Genève électorale là, li là pour organiser cette massacre là. Et puis Genève en famille alliée, voilà ça se met tête là. Et bien c'est ça que fait. N'a félicité représentant OEA avec CARICOM là, et spécialement ambassadeur Ronald Sanders qui dit que président Jovenel Moïse a violé la constitution haïtienne là. Et bien, pour toute raison ça yo, nous disons ça, n'a pas applaudi l'église, société civile là. La jeunesse, parti politique, organisation communauté de base, qui dit qu'il va prendre l'élection qui va le faire dans Bouarasa. Et n'a profité pour dire, pour finir, là où c'est taillé mandat, tout le temps soleil pour vous lever. Vivions Haïti, vivions transition inclusive, abat tout impérialiste. Merci, Maître Saint-Louis Kessnaï Joseph, Force N 157. Un an plus tard. Non. Ok. Un an. Nous dit le pagon côté dans la justice hein, à travers le monde qui dit que un prisonnier obligé fait un an en dans prison sans que le pas paraître devant la justice. Donc puisque nous avons continué à prendre justice nous, l'aide sale. À loger justice là, l'aide sale, moi-même en tant que citoyen engagé, moi je vais faire appel à un série de têtes d'hommes qui gagnent un sens de responsabilité pour ressaisir, pour que naturellement, faire en sorte à ce que dossier Anel Bélizère, Kili, Job, Babaz, et l'autre malheureux encore qui a souffert dans la prison, pas Jean-Mouet, juge naturel, pour que vous fassiez la justice ressaisie à travers des actions ponctuelles dans fin année ça. Moi dis encore une fois arrestation Anel Bélizère et consort, c'est pas arrestation politique, c'est arrestation de lâcheté par rapport à capacité Anel t'a dégagé sur le terrain, par rapport avec opportunité que le t'a offert comme leader pour que de façon transversale, il arrive sous toute couche. Il y a des gens qui ont choisi pour bannir non, son équipe a gagné bon. Excusez-moi. Lorsqu'un leader qui a une capacité pour parler à tout le monde, c'est une question de valeur. Donc, réalité, en la aujourd'hui, moi-même en tant que citoyen qui a subi arrestation n'importe qui, j'en tout, pour l'acheter, moi encourager la justice pour le ressaisir. Parce que la loi, c'est lui qui doit boussoler une série de monde. Spécialement, jusqu'à PD déporter. Pas faire l'acheter même avec le gouvernement, pas faire l'acheter avec comportement non affiché là au niveau de l'opposition.
ou même en tant que juge technicien, courrier, assumer responsabilité, parce que ce n'est pas évident jusqu'à présent pour que ces politiques qui ont saisi la justice, pour la justice qui a saisi politique, mettez politique en côté pour le mettre et faire en sorte que justice baille à monde justice globale. Que n'est-ce pas devant juge? Si vous avez reproché ou ça, vous avez reproché pour la loi.